Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro. Et cette fois-ci, on va s'intéresser tout de suite à un jeu que j'avais déjà testé dans la version N64, à savoir FIFA 99. Et là maintenant, on va tester le même jeu, à savoir FIFA 99, non pas sur N64, enfin Nintendo 64, mais sur PlayStation 1. Oui, parce que je voulais au départ tester la version PlayStation 1, mais je n'avais pas trouvé. Alors je me suis contenté de la version N64. Et maintenant, on va s'intéresser tout de suite à la version PS1, la vraie version que je voulais tester. Bon, alors franchement, le jeu est pas mal. Enfin, il est exactement tout comme la version, ah oui, N64. Ça va avec les mêmes équipes, les mêmes graphismes. Bref, il est bien, franchement il est bien, il est très classe, il est limite bien bien potable. Franchement on s'éclate bien dans ce jeu, hein. Bon, c'est un des meilleurs jeux FIFA que j'ai testé après la version 98 et les autres de la version 2000. Bon, attendez, parce que là je vais choisir, attendez, je vais voir que si je peux choisir oui, on va lancer un match. Bon, écoutez, on va se faire un match 100% Carpate, à savoir la Roumanie face à la République tchèque. Voilà. Oui, alors que je vous rappelle, je jouais la version PS1 et pas la version N64, parce que la version N64, je l'avais déjà testée. Et là, on teste le même jeu, mais sur PlayStation 1. Ouais. Oui, alors évidemment, comme tous les jeux FIFA qui se respectent, vous pouvez choisir n'importe quelle équipe. Voilà, ce que vous voyez, c'est juste la composition des équipes tchèque et roumaine. Le jeu est pas mal, franchement, est pas mal. Et voilà, et nous sommes aussi donc au stade de Dortmund en Allemagne pour assister à ce match qui comprend la Coupe des Carpates opposant l'équipe de la République tchèque opposée à l'équipe nationale de la Roumanie. Alors les Tchèques jouent en rouge, blanc, à rayures bleues, face à eux, les Roumains qui jouent en jaune, à rayures rouges. Oui, c'est bien ça. Donc c'est parti. Le jeu franchement est assez bien. La maniabilité est assez correcte. Enfin, encore faut-il qu'elle l'est vraiment. Donc, mais bon, ça va. Franchement, on peut voir très clairement, c'est quasiment les graphismes dignes des premiers jeux FIFA sur PS1. C'est vraiment FIFA 98, mais un petit peu plus âgé, si je puis dire. Voilà, pour l'instant, là, oui, donc j'ai laissé l'IA jouer à ma place. Attention! Non, ça, fausse alerte. Est-ce qu'il peut... Non, il passe pas, il passe pas. Ah, il faut vraiment pas perdre de temps pour essayer de m'espérer marquer. Il faut pas perdre de temps, hein. Il faut vraiment pas perdre de temps. Bon, la version PS1 est pas trop mal, ça va, c'est bien, c'est assez potable. C'est vraiment un jeu, un vieux jeu PS1. Mais très sincèrement, je préfère autant la version. Enfin, je préfère autant la version N64 et PS1 en même temps, parce que les deux arrivent quasiment à la cheville l'une de l'autre. Alors qu'on s'approche un petit moment de la fin de cette première mi-temps. Et pour l'instant, c'est 0-0 entre la Roumanie et la République tchèque. Kadlec, Nuka, Nemec, Luka, Rosicky qui passe avec Nemec. Attention, va-t-il passer? Ah, dommage. Ah, si j'étais lui, j'aurais peut-être dû tirer directement au but. Et c'est justement la fin donc de cette première mi-temps. Et ben, une première mi-temps, un petit peu ennuyeuse, mais bon, je suppose que les deux équipes ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et bon, c'est pas fini, il reste encore une. On se sépare un petit moment pour une petite page de pub, et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce match. Nous sommes de retour ici à Dortmund, en Allemagne, pour suivre la deuxième mi-temps de ce match qui comprend la Coupe des Carpates, opposant l'équipe nationale de la République tchèque à celle de la Roumanie. Et pour l'instant, les deux équipes sont à égalité, zéro partout. Aucune des deux équipes n'a réussi à essayer d'ouvrir le score. Donc, espérons qu'on pourra avoir un peu plus de buts durant la deuxième. Allez, c'est reparti. Nemec. Kuka, repris par Illy. Attention, et là, c'est une touche roumaine. Moldovan.
Ouais, oui, alors, oui, je dis, oui, excusez-moi si je dis certains noms d'anciens joueurs. À l'époque, il y avait encore des joueurs de grands talents, bref, que ce soit les Hadji, les Ili, les Moldovan, pour la République tchèque, si je me souviens bien, il y avait Rosicky, Berger, Nemec ou Nedved. Bref, que des pointures. Poser un autre match. Allez, on continue. Non, non, ça va passer. Oui, ça passe du côté roumain qui ont réussi à capter le ballon. Voilà. Popescu, Kelleč. Kelleč. Oui, Kelleč. Il passe. Repris par les deux. Rosicky. Rosicky. Non. Ça ne suffira pas. Hein. Et joli arrêt du gardien roumain Prunea. Allez, on continue. Est-ce que oui, il passe? Non, il passe pas. Il passe pas. Il ne passe pas. Allez, le ballon est de nouveau repris par les Roumains. Oui, repris une nouvelle fois par les Roumains. Il est repris par les Tchèques. Alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure de ce match. Voilà. Ouais, et voilà, c'est la fin du match. Bah donc pas de vainqueur dans cette rencontre. On va s'intéresser tout de suite au tir au but. Voilà donc, nous nous retrouvons tout de suite pour la séance de tir au but. Et là, c'est les Tchèques qui viennent de marquer leur premier point. Oui, donc les deux équipes n'ont pas pu se départager, étant donné aucune d'entre elles n'a marqué le moindre but. Et là, on va s'intéresser tout de suite à la séance de tir au but. Et pour l'instant, c'est les Tchèques qui ont ouvert le score. Et on va pas perdre de temps. Est-ce que... Oui! Égalisation roumaine. Et ça s'annonce... Et bon, c'est pas encore fini, c'est pas encore fini, c'est pas encore fini parce que là, le match est loin d'être terminé. Oui! Égalisation! Égalisation! Ah, ça... Enfin, je pense qu'il y a égalisation, étant donné qu'il y a deux points. Bon, peu importe. Donc un partout donc entre les deux équipes. Oui, et deux pour la Roumanie. Ah c'est vraiment tonitruant, c'est vraiment tonitruant. On peut voir très clairement qu'aucune des deux équipes n'a l'intention de comment dirais-je de se laisser aller. Tour de la République tchèque. Et 2-2. 4 buts partout. Non, ça va, franchement, ça va, ça va. Bon, sinon, les graphismes de ce jeu sont bien, mais bon, un petit peu moisi. Ah, et un troisième, eh ben, c'est bizarre à quel point le gardien, enfin, les gardiens de ce jeu sont pas très rapides, c'est bizarre, ça. Mais bon, on va dire qu'on a rien vu. Allez, 3 pour la Roumanie. Et un troisième de plus pour les Tchèques. Oh là 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 là, eh mais les tirs au but, c'est la mort subite. C'est la mort subite. Ah non, mais là, c'est. Là, il faut vraiment pas se laisser aller. Il faut vraiment pas se laisser aller. Allez, autour une nouvelle fois de la Roumanie. Ah mince! Ah zut! Il a tiré juste à côté. Ah là 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 là. Ah quelle malchance! Mais quelle malchance! Ah oui, mais bon, fallait tirer droit, monsieur, aussi, hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis sûr qu'il a fait de son mieux. Et voilà! Et bim! Et c'est terminé! Et la victoire! Victoire donc de la République tchèque qui remporte au tir au but face à une solide équipe de la Roumanie. Eh ben, GG, parce qu'il méritait vraiment la victoire. Voilà donc, victoire de la République tchèque sur la Roumanie au tir au but. Voilà donc, on se sépare un petit moment pour une petite page de pub et on se retrouve tout de suite pour un deuxième match. Ici Dortmund, en Allemagne. À vous, Paris! Nous sommes de retour ici sur FIFA 99 sur PlayStation 1 où on va assister à un match mais 100% ex-Yougoslave si je puis dire entre l'équipe de la Croatie et l'équipe de la Yougoslavie. Excusez-moi, j'ai un petit peu... je me rappelle plus les noms de certains joueurs. Mais bon, ça me revenir. Je crois qu'il y avait... Je crois que c'est l'autre... Je crois que c'est... Ah oui, Souker, voilà. Il était bien Souker.
sur un joueur du Real Madrid. Ah, et alors que c'est justement la fin donc, de cette première mi-temps. Et comme par hasard, pas de but inscrit aux côtés dans les deux équipes. Bon, on se sépare un petit moment pour une petite page de pub et on se retrouve tout de suite pour les imitations de match. Nous sommes de retour ici, je sais pas exactement où nous sommes. Bon, écoutez, on n'a qu'à dire qu'on est à Zagreb, en Croatie, équipe des capitales de la Croatie, entre l'équipe nationale de Croatie face à l'équipe de Yougoslavie. Et pour l'instant, les deux équipes sont à égalité, 0 partout. Ah, c'est vrai, oh là là, c'est vraiment mais un duel 100% balkanique à couteau tiré. Attention, Mijatović, pardon. Et non, ça suffira pas. Et premier corner pour les Yougoslaves. Ah, est-ce que c'est... Non, ça passe pas. Ancien capitaine de l'équipe de la sélection croate et ancien joueur de l'équipe du Panathinaikos, du club grec du Panathinaikos d'Athènes, alors qu'on entre quasiment à la fin de ce match, et c'est justement la fin de ce match. Bon, écoutez, on va pas perdre de temps, on va s'intéresser tout de suite au tir au but. Nous sommes de retour ici au stade de Zagreb pour suivre la fameuse séance de tir au but qui oppose la Croatie à la Yougoslavie. Et comme par hasard, aucune des deux équipes n'a réussi à marquer le moindre but. Donc, pour un seul moyen d'être partagé, les tirs au but autour de la Yougoslavie et ouverture du score. Voilà, donc ce qui fait au total de 1 pour la Yougoslavie et 0 pour la Croatie. Voilà, donc le numéro 15, je sais pas qui c'est, étant donné que le nom des joueurs n'est pas inscrit. Bon, c'est pas grave, on a qu'à dire que c'est Mijatović. Oh, joli! Oh, magnifique tir. Franchement, il fallait le faire, Voilà, donc égalisation croate. Bon, on a qu'à dire que le numéro 9, c'est Suker. Voilà, GG mec. Franchement, il fallait le faire. Donc, égalité parfaite entre les deux équipes. Oh, ouais! Ah, quel dommage! Ah là 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 là! Et un des joueurs yougoslaves a loupé son tir. Ah, ok, c'est dommage. Ouais, alors, dans les séances de tir au but, faut vraiment, mais. Pas déconner, hein. Et but! Est-ce qu'il fait un total de 2 pour la Croatie et 1 pour la Yougoslavie? Voilà, c'est parfait. GG, franchement, GG. Allez! Ah non, oh, joli arrêt du gardien croate. Bon réflexe, très bon réflexe. Alors si je me souviens bien, le gardien croate qui jouait à l'époque, c'était Ladic. Oui, GG. Et ce qui fait un total de 3 pour la Croatie. Et c'est la victoire. Et ben belle victoire des Croates qui sont... Ah, attendez, pardon, excusez-moi, c'est pas fini. Bon, excusez-moi, j'ai cru que c'était la fin du match, mais non, c'était pas encore la fin du match. Bon, là, pour l'instant, la Yougoslavie vient de marquer un deuxième but, mais bon, est-ce que ça suffira pour rattraper leur retard? Je sais pas, on verra. Attention, c'est peut-être le dernier. Et c'est justement le dernier, voilà! Et ben, victoire! Belle victoire, donc, de la Croatie qui remporte ce match face à une solide équipe de la Yougoslavie qui a tout donné dans ce match. Et ben, belle victoire, franchement, il la mérite. Voilà, donc, je propose qu'on s'arrête ici. C'était donc FIFA 99 sur PlayStation 1. Un jeu de foot assez bien. Bon, autant la version N64 était pas mal, autant la version PS1 est 10 fois mieux. Bon, ouais, bon, je préfère autant la version N64 et PS1 en même temps. Voilà, donc les deux versions sont pas mal, hein. Bref, le jeu franchement est agréable à jouer, je vais pas vous mentir. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Steamy comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains tests et de prochains matchs. Ici Zagreb en Croatie, à vos paris. Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau.